Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion Croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste dominée par les enquêtes de l'assassinat de l'opposant du porte-parole d'Ensemble pour la République, Chérubin Okende. Hier, son parti politique Ensemble pour la République a tenu une conférence de presse. En tout cas, c'était le secrétaire général de ce parti politique, Dieudonné Bolingeteng, qui a parlé. Il a en tout cas fustigé l'amateurisme du gouvernement, mais également et surtout l'amateurisme de la justice congolaise. Sur ce sujet, il a insisté sur la promesse du gouvernement d'impliquer la justice belge et sud-africaine pour une enquête beaucoup plus crédible. Sur ce plateau, avec mes invités, toutes les tendances confondues, nous allons en parler en long et en large. Nous parlerons également d'autres sujets d'actualité. Il y a un autre sujet, par exemple, le parti politique de Jean-Marc Kabound à Kabound, qui n'est pas jusqu'à ce jour autorisé à fonctionner sur l'ensemble du territoire national, alors qu'ils ont tous les papiers, ils ont rempli tous les critères. Mais à leur grande surprise, le ministère de l'Intérieur, lorsqu'il a envoyé les noms des partis politiques éligibles à la CENI, l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound à Kabound n'y figure pas. Ce parti politique poursuit avec, en tout cas, des revendications. Je ne sais pas si ce sujet va également intéresser mes invités ici sur ce plateau, qui vont essayer d'y placer un mot. Nous parlerons également des dépôts des candidatures à la députation nationale et provinciale, notamment avec surtout les candidats du Sud Kivu. Nous aurons d'ailleurs l'un des représentants d'un élu du Sud Kivu, plus précisément de Idjui, de l'île d'Idjui, et qui espère être reconduit. Nous en parlons également sur ce plateau. Alors, nous recevons premièrement Jojo Maele. Jojo Maele, acteur politique. Ah ben. Je préfère ne pas beaucoup faire trop de présentations. On ne sait jamais, je risque de me tromper et dire ce qu'il n'est pas. Et ça peut me créer des problèmes. Je vous salue. Non, malheureusement, nous ne sommes pas de ceux-là qui filent les gens pour vous créer des problèmes. Nous sommes seulement des personnes qui réfléchissent pour la République, pour l'avancement de la République. Nous sommes politologues de formation, chercheurs en sciences politiques. Et nous mettons notre intelligence à l'évidence de la République, défenseurs du pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, communicateur de l'Union sacrée, acteur politique, comme vous l'aviez dit. Je sais que vous attendez que je puisse donner une connotation politique, mais malheureusement, je ne donnerai pas, mais je suis du pouvoir. Et félicitations à vous, comme j'ai toujours dit, un plateau très relevé. Vous faites exception de beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes dans une scène où plusieurs personnes ont des connotations politiques par rapport à votre travail, plusieurs personnes trempent les mains sales. Mais vous reflétez l'essence du journaliste pur et authentique. Donc, je dois vous jeter des fleurs. Merci beaucoup. Alors, je pense que nous allons naviguer dans toute objectivité. Je pense que nous allons parler République. Alors, je pense que nous serons dans le monde des idées. Salutations à nos co-débatteurs avec qui nous allons partager les idées. Et je pense que tout ce que nous allons dire comme argumentation va permettre à la République d'avancer, va permettre aux autorités de rectifier les tirs. Et vont permettre aussi à ce que certaines personnes qui sont à la maison, dans les cadres pédagogiques, de pouvoir avoir une certaine connaissance sur le rouage étatique et sur certaines questions étatiques. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il faut dire que vous êtes un habitué de cette émission, en tout cas. Merci. De temps en temps, les gens vous suivent, nos Merci. Amis des États-Unis d'Amérique, du Merci. Canada, de Bukavu.
en tout cas du Gabon. Ce sont les appels que je reçois de l'ICASI, de Lualaba. Ils nous appellent de temps en temps pour faire des bons commentaires. D'autres, comme d'habitude, ne sont pas d'accord avec votre façon de réfléchir, ce qui est tout à fait normal. C'est même ça la beauté de la démocratie. Alors, puisque nous sommes de ce côté, profitons-en pour recevoir également notre ami David Motomungu. Lui, c'est une première sur ce plateau. Et nous, puisqu'il est à côté de Jojo Mayele, nous espérons qu'il est aussi Mayele comme il est aussi intelligent comme Jojo. David, bonjour, bienvenue dans Opinion Croisée. Ah ok, bonjour cher Merveille, je salue mes co-débatteurs ici sur ces plateaux. Merci. Je vous remercie de l'invitation. C'est un honneur pour nous de participer pour la première fois dans cette émission Opinion Croisée. Je tiens à vous rapporter en tout cas des messages des multiples téléspectateurs qui vous suivent de temps en temps. Merci. Ils m'ont demandé de vous dire qu'ils sont très fiers de vous. Merci. Du travail que vous abattez, en tout cas, ça montre le professionnalisme et l'amour de la République que vous avez. Qu'à cela ne tienne, je tiens aussi à saluer très particulièrement une petite sœur qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui est aussi votre téléspectatrice d'ailleurs. Ok, elle s'appelle Ruth Yeli, à qui nous disons joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oui. Oui. Permettez-moi, chère Merveille, vous savez, votre plateau a vraiment un audimat très, très important. Je vais placer un petit biscuit concernant les enfants de Kitambo, c'est-à-dire que les jeunes de Kitambo étaient venus me voir en me disant qu'il y avait un problème au niveau du stade Vélodrome. Okay. On était en train d'organiser un kermesse là-bas. Vous savez, depuis un certain temps, on ne comprend pas, nos autorités ont pris l'habitude de commencer à organiser des kermesses dans des terrains de football. C'est là que la municipalité, la commune, ou bien c'est... Ah bon. Je sais que c'est... Pepito Kilala à ce niveau-là, mais vous savez, elle reçoit des ordres venant du gouvernorat aussi. Ah bon? Bien donc évidemment. Ça c'est Ngobila. Oui, ça doit être que j'enseigne Ngobila. Oh. Alors ce n'est pas bien. Pepito Kilala n'est pas de la CP. Pepito Kilala. Bon, je ne suis pas venu parler des individus ici. Moi, je suis venu plutôt apporter ou soit rapporter, comme je vous ai dit, les messages en tout cas des Congolais, des sportifs qui passent en tout cas leur temps pendant ces vacances dans ces stades Vélodrome-là qui leur permettent en même temps de jouer au football. Vous savez, quand nous, par exemple, on était plus petits, je suis né, grandi à Kitambo, c'est là-bas que j'ai appris la bicyclette, c'est là que j'ai appris à rouler au vélo. Et maintenant, en même temps aussi, on jouait au football dans ce même stade-là. Il y avait même une équipe dans laquelle je jouais qui était Is Kitambo, qui s'entraînait dans ces terrains-là. Mais vous voyez aujourd'hui, prendre ces stades-là, faire de ça un endroit où les gens vont seulement commencer à venir pour manger, boire une kermesse. Nous pensons qu'il y a des endroits bien appropriés pour cela. Un terrain de football est aussi fait pour le développement de la jeunesse, où des jeunes doivent commencer à venir pour pratiquer le football. Cela nous permettra aussi à dénicher des talents dans ces terrains. Mais lorsque vous prenez un terrain de football, vous en faites un terrain d'organisation des kermesses, ce n'est pas sérieux. Raison pour laquelle nous venons vraiment lancer cet appel pathétique, parce que vous savez, lorsque nous venons sur des plateaux de télévision, nous sommes aussi la voix des sans-voix. Exactement. Ceux qui ne peuvent pas parler, nous venons parler pour eux. Voyez-vous ? Donc, en tant qu'un ressortissant de Kitambo, en tant qu'aussi potentiel candidat de cette municipalité. Vous êtes candidat, député national ou provincial, oui. Et je suis venu apporter ce message-là pour, en tout cas, mes potentiels électeurs de Kitambo. Ils sont venus me voir en me disant qu'on tire cette sonnette d'alarme, que ce stade-là est fait pour la pratique du jeu, la pratique du sport et non pour des kermesses. Oui, donc j'ai compris déjà en vous écoutant votre tendance politique, vous êtes de l'opposition, c'est ça? Bon non, je ne suis ni de l'opposition ni du pouvoir, je suis indépendant. Vous êtes indépendant. Oui, je suis indépendant. Mais en tout cas, vous portez la voix de la population qui souffre. Aujourd'hui, nous avons la population qui souffre, notamment la population de Kitambo, et vous êtes là pour parler au nom de cette population-là. Justement, avec ce gouvernement, avec les dirigeants actuels qui n'arrivent pas à répondre aux désidératas de la population. Justement, cher Merveille, vous savez, c'est notre leitmotiv, parce que nous sommes acteurs politiques, nous sommes politiques, c'est pour apporter des solutions
au problème des Congolais lambda, comme je vous ai dit. Oui. Ceux qui ne peuvent peut-être pas parler, nous, nous sommes ici non pas seulement pour nos propres intérêts, mais nous venons représenter les intérêts de plusieurs. Voyez-vous, c'est ce qui explique notre présence même sur ces plateaux, c'est ce qui explique notre présence sur des médias, c'est parce que nous venons rappeler surtout aux autorités, parce que c'est eux qui prennent des décisions qui concernent la vie et le devenir de notre pays. Donc, vous savez, le sport a un très grand enjeu. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser le jeu de la francophonie. Nos jeunes et la RDC est participant pour arriver à gagner des médailles, pour arriver à rapporter des médailles pour la RDC. Il faut une organisation et cette organisation part aussi, par exemple, par l'encadrement de la jeunesse. Les jeunes sont encadrés ou dans des terrains de football comme ça qu'on arrive à dénicher des talents. Mais lorsque vous, vous prenez ces terrains de football-là, vous faites une kermesse là-dedans, ça ne permet pas aux jeunes de pouvoir se développer. En tout cas, ce n'est pas normal. Le message est passé. Pepito Kilala, bourgmestre de la commune de Kitambo. Nous avons ici quelqu'un ressortissant de la commune de Kitambo, qui est candidat, en même temps candidat député provincial, qui vient faire des révélations. Effectivement, ce que vous dites là n'est pas faux. La commune de Kitambo, la commune de Bandalungo également, on a accusé d'ailleurs une kermesse, je crois, qui appartiendrait, je mets au conditionnel, au ministre de la communication et des médias, M. Patrick Muyaya. J'ai mis au conditionnel, mais, en tout cas. Mais non, c'est vrai. J'aimerais mettre un mot, connaissant Mme Pepito Kilala. Je pense que c'est une dame avec qui nous avons eu à collaborer pendant un bon moment. Je ne pense pas que c'est une dame qui doit faire des choses au détriment de ses administrés. Je pense qu'il y a une sorte de contrat où il y a des choses, quelque chose qui a été fait. Mais dire que cette dame-là fait des choses pour peut-être priver ces terrains-là aux habitants de Kitambo, pour leur apporter des choses négatives, je ne pense pas. Parce que je connais cette dame, je connais comment elle fonctionne, Mme Pepito. En tout cas, l'évidence est qu'il y a kermesse. Il y a kermesse, mais il serait mieux que nous puissions nous approcher de ces dames. Déjà, comme vous aviez, j'entendais ce problème, il me serait mieux de pouvoir l'approcher et savoir. En tout cas, si elle nous suit maintenant là, elle suit opinion croisée, qu'elle nous apporte des explications. Exactement, parce que nous en avons besoin. C'est pourquoi je vous dis, nous avons gardé des bons contacts avec Mme Pepito. Je ferai de mon mieux pour l'approcher et pour savoir qu'est-ce qui se passe au sujet. Parce que cette émission est en direct. Exactement. Je rappelle que c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit aussi cela, parce que je sais que votre émission, comme mon frère a dit, a une grande audience. Oui. J'ai dit que je veux m'approcher de cette dame parce que je connais comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle a un cœur pour ses amis. Oui. Donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Entre-temps, la bourgmestre de la commune de Kitambo, Pepito Kilala, est sur les bancs des accusés parce que nous avons ici sur ce plateau. Mais oui, nous permettez que je parle. Entre-temps, nous avons ici sur ce plateau un jeune de Kitambo, candidat député provincial, qui vient de dénoncer quelque chose qui est réel parce que je l'ai dit, il ne s'agit pas que de la commune de Kitambo. Là, la commune de Bandalungwa aussi, il y a une kermesse là-bas. Je vous ai même cité, selon les informations des habitants du coin, ça appartiendrait au ministre de la communication et des médias, M. Patrick Muyaya. Mais ce n'est pas. Il semblerait. Okay. Je ne confirme pas, mais en tout cas, il y a une kermesse là-bas aussi à Bandalungwa. Ce n'est pas une émission consacrée à ça. Permettez-moi de recevoir aussi mon invité, un autre invité de marque qui est là. Lui aussi, c'est une première pour lui sur le plateau d'opinion croisée, c'est Monsieur Fidèle, que je reçois. Lui, il est, je préfère le dire, il est ressortissant des IJU. Pourquoi je dis cela? Parce que au début, dans mon introduction, j'ai parlé de la circonscription des IJU. C'est la circonscription des IJU, si je ne me trompe pas. Et il est de là, il connaît les réalités de ce coin. Écoutez, pourquoi ne pas aussi parler de ce coin du pays très beau. En tout cas, personnellement, j'en sais quelque chose puisque j'en suis originaire également. C'est merci. Très beau là-bas. Si vous arrivez là-bas, vous n'avez pas à envier la Suède et autres, Dubaï ou autres pays. Je vous salue, Monsieur Fidèle. Merci beaucoup, Merveille. Je suis vraiment content
d'être, de partager ce plateau avec les amis, les collègues, les frères, et particulièrement avec vous, oui, que j'ai tant cherché comment participer dans l'une de vos émissions. Au plaisir. Avant même de vous voir, je ne cessais de vous dire que vous êtes un des journalistes que moi personnellement, oui, j'aime ou dont je loue beaucoup l'intelligence, merci, hein, la cohérence dans les idées. Merci. Sincèrement, je suis très content d'être à ce plateau en ce moment. Merci. Comme les amis l'ont fait, je voudrais, avant peut-être d'aborder les sujets pour lesquels nous sommes là, oui, je voulais saluer, oui, un warrior, oui, du gouvernement Samade, okay, qui est en train d'abattre un travail de titan au ministère de l'Agriculture. Ah bon, c'est... Il s'appelle Maître Josin Panda Kabango. Ah. Parce que moi, je suis de là. Je suis, okay, je suis syndicaliste au ministère de l'Agriculture. Ok, Maître Josin, oui, Panda. Il était à la recherche scientifique. Également. Oui. Cet homme-là, sincèrement, c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si je l'ai dit, aussitôt qu'il est arrivé au ministère de l'Agriculture, en complicité avec le secrétaire général à l'agriculture, ils ont initié un contrôle physique, okay, des agents, à l'issue duquel on a pu identifier plus d'une centaine d'agents fictifs, de personnes fictives. Et on les voit en train de se battre bec et ongle pour redorer l'image longtemps ternie de ces ministères. C'est vrai, il a trouvé beaucoup de défis, mais la manière dont il est déterminé, nous pensons que très prochainement, les lignes vont bouger. Oui. Ce n'est pas possible que dans un pays où il y a beaucoup de terres arables non exploitées, on commence à les commander des semoules de maïs et beaucoup d'autres denrées, alors que nous pouvons les produire localement, ici chez nous, dans notre pays. Et c'est ça son cheval de bataille actuellement, il est en train de se battre pour que les prochains mois, les prochaines années, qu'on cesse avec cette mendicité de maïs ou de quoi que ce soit. Je salue aussi le secrétaire général à l'agriculture, un homme qui est en train de se poumonner pour que l'administration retrouve sa lettre de noblesse en la personne de José Ilanga. Okay. Cet homme, vraiment, on le voit très déterminé aussi, en train de pousser, de booster l'administration, l'administration qui était presque déjà par terre, mais nous le voyons déterminé. Il ne jure que l'homme a la place qu'il faut. C'est-à-dire que chaque personne, chaque directeur, chaque agent puisse retrouver ses attributions et que personne ne puisse naviguer à contre-courant. Parce qu'il y a une pratique qui a élu domicile dans l'administration. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas habilité dans telle matière, mais comme il a des connivences avec les chefs, c'est à lui auprès de qui on envoie telle matière pour exploitation. Et pour finir, je salue aussi le VPM de la fonction publique. Vous avez suivi hier, Monsieur Liaou, il y a quelques jours, il, oui, a lancé la page web de la fonction publique. Désormais, tous les cadres et agents de la fonction publique vont commencer, au lieu d'aller à Kinshasa, au lieu d'aller n'importe où pour récolter des informations de la fonction publique, ils peuvent facilement, vous allez dans la page web de la fonction publique, vous allez rencontrer toutes les informations là-bas. Et pas plus tard qu'hier, il a lancé les concours 9e promotion, si je ne m'abuse pas, de l'École nationale d'administration, qui est une école d'excellence. Et par cette occasion, nous appelons tous les frères et sœurs qui ont déjà un diplôme de licence ou au-delà et qui sont dans les critères d'aller tenter leur chance. Parce que l'École nationale d'administration est une école d'excellence qui forme les futurs cadres, les futures personnes qui vont gérer l'administration de ces pays. Merci. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, actuellement, nous sommes à quelques mois des élections. En tout cas, avant d'aborder les sujets concernant
l'assassinat de Chérubin Okende. Nous sommes à quelques mois des élections, mais nous constatons certains partis politiques être exclus. Je vous ai cité ici le nom du parti politique de Jean-Marc Kabunda Kabund, alors qu'ils ont rempli tous les critères, mais également on constate beaucoup d'acteurs politiques déposer leur candidature. Nous avons des grands leaders comme les Bahati Lukwebo qui sont allés déposer leur candidature au niveau du Grand Kivu, les Vital Kamere, vous avez Matata Ponyo, vous avez Delice Sanga, vous avez d'autres grands leaders que nous connaissons très bien. J'aimerais que chacun de vous place un petit mot sur les élections avant de passer au sujet entrer aux élections. Je commence par vous, Jojo Maëlle. Les élections, ça vous inspire quoi? Est-ce que l'allure où vont les choses? Nous aurons les élections dans le délai constitutionnel. Comment jugez-vous cette première étape des dépôts des candidatures? Un petit commentaire également sur l'exclusion du parti de Jean-Marc Kabunda Kabund, bien que ce parti insiste sur une liste additive pour l'inclusivité des élections. Alors, Monsieur Merveille, merci pour votre question, une question très pertinente. Déjà, d'entrée de jeu, il faudrait donner une touche théorique pour dire que les élections aujourd'hui, c'est l'épine dorsale d'une démocratie. Les élections, c'est le moyen par lequel on rote les acteurs politiques dans un régime démocratique, donc les moyens uniques par lesquels on arrive au pouvoir dans un régime démocratique. Les élections en République démocratique du Congo a une histoire, et particulièrement aujourd'hui, nous sommes au quatrième cycle, nous sommes à la veille, à l'aube du quatrième cycle électoral, un cycle qui a débuté depuis 2006, 2011, 2018, 2000, aujourd'hui nous sommes en 2023. Les élections aujourd'hui sont conduites par un processus électoral que nous appelons l'ensemble des opérations qui nous mènent vers ces élections-là. Je pense que lorsque nous parlons du cycle actuel, qui a connu un processus normal avec des phases aussi normales, je pense que c'est quelque chose de très positif parce que nous avions vu le processus électoral débuter par un mécanisme, par l'installation des bureaux, des membres des bureaux de la CENI. Nous avons vu des cadres juridiques être installés, nous avons vu le calendrier électoral, nous avons vu la répartition des sièges, nous avons vu les recensements de la population qu'on appelle enrôlement. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très importante du processus électoral, cette phase qui est celle du dépôt des candidatures. Je pense que le dépôt des candidatures fait allusion aux ambitions et puis aux velléités de chaque personne politique et puis de chaque regroupement politique. Vous savez, lorsque on veut gérer la chose publique, tout dépend des ambitions, comme j'ai dit, et des envies politiques. Ça signifie que moi, j'ai mes ambitions, j'ai mes velléités. Ces velléités doivent être exprimées dans un cadre que nous appelons aujourd'hui parti politique. Au-delà des partis politiques, aujourd'hui, nous avons les regroupements politiques parce que, avec les formats seuls, il faudrait partir au sein du regroupement politique. Je pense que c'est très positif. Toutes ces personnes qui ont déposé les candidatures, nous faisons aussi partie. Je suis en train de les réduire, dépend des ambitions, dépend des velléités. Ils pensent qu'ils peuvent mieux servir la nation en étant député national. Ils pensent qu'ils peuvent mieux servir la nation en étant en occupant une fonction quelconque. C'est pourquoi j'ai dit les ambitions et les velléités. Parce que une personne ne peut pas postuler quelque part sans pourtant qu'il ait les ambitions de pouvoir gérer cette chose-là. Donc aujourd'hui, si nous avons les noms que vous avez cités pour postuler aux législatives, c'est parce qu'ils ont des ambitions de pouvoir servir la nation à ces fonctions-là. Alors concernant le parti de M. Jean-Marc Kabound, je ne vais pas traîner là-dessus. Je pense que nous avons une administration étatique. Je pense que nous avons un ministère de l'Intérieur qui s'occupe des partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la maturation de notre démocratie, nous sommes dans la maturation de notre état de droit. Si vous voyez qu'il y a défaut ou défaillance, ou on a permis à certains partis politiques d'œuvrer, c'est parce qu'il y a une loi organique qui régit le fonctionnement des partis politiques. Vous avez compris pourquoi j'ai souri quand vous avez parlé du ministère
de l'intérieur chargé des partis politiques. Je pense que c'est votre méthodologie de faire votre travail. Non, ce n'est pas. En fait, j'ai souri parce que je vais vous relancer. Allez-y. Il y a en tout cas un mois, ou il y a deux semaines, quelques journalistes nous ont sorti les images d'archives. Il y a une image où l'actuel secrétaire général de l'UDPS, qui fait office, je crois, du président de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, dans une vidéo en train de faire une révélation. Il dit ceci: aujourd'hui, je m'exprime sur le dossier Peter Kazadi et Jean-Marc Kabound. Il dit ceci: que M. Peter Kazadi est venu me voir. À l'époque, il était député provincial pour, en fait, fustiger le fait que Jean-Marc... Non, le fait que le professeur Eberhand soit nommé d'abord DIRCAB par intérim et ensuite DIRCAB du chef de l'État. Il lui a dit que non, c'est lui qui a présenté M. Eberhand à Félix Tshisekedi, du président de la République, c'est M. Jean-Marc Kabound. Donc, s'il y a des réclamations à faire, tu devrais les faire auprès de Jean-Marc Kabound, qui, à l'époque, était président AI au lieu de venir chez moi. M. Peter Kazadi a dit à Augustin Kabouya, selon Augustin Kabouya, que s'il en est le cas, moi, je vais combattre Jean-Marc Kabound jusqu'à le détruire, parce qu'apparemment il en voulait à M. Kabound. Et aujourd'hui, il devient VPM de l'intérieur. Il n'envoie pas le nom du parti de Kabound, et selon certaines sources et indiscrétions, il aurait, ça j'ai mis maintenant au conditionnel, refusé d'envoyer parce qu'il aurait gardé une dent contre Jean-Marc Kabound. Il est en train de régler des comptes à Jean-Marc Kabound. Je pense que vous avez parlé d'une histoire qui engage des personnalités avec des casquettes différentes. Monsieur Kabouya, qui est secrétaire général de l'UDPS, un fait privé, qui n'est pas un officiel de la République. Monsieur Peter Kazadi, qui fut à l'époque député provincial. Monsieur Jean-Marc Kabound, qui fut à l'époque président AI. Déjà, les compétences de ces personnes-là, aujourd'hui, sont incompatibles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous parlons... Je ne fais pas votre question. Merci, permettez-moi. C'est juste que je suis en train de donner une nuance. Parce qu'au début, j'ai dit, votre émission a une dimension aussi pédagogique. Alors, il faudrait essayer de donner des matières à ceux qui sont à la maison. Alors, je pense que dans cette dimension, aujourd'hui, nous parlons d'une personne qui engage un ministère, un département, selon l'article 93. En effet. Donc, je pense que c'est une personne qui doit agir avec éthique, avec déontologie, mettant de côté les sensationnels, les motifs et tout ce que vous avez cité. Mais là, tout a été démontré. Donc, moi, je pense que les partis de Kabound est en ordre. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi refuser, monsieur, lorsque la loi sur les partis politiques a été promulguée en 2004, monsieur Peter Kazadi n'était pas officiel de ce pays. Donc, monsieur Peter Kazadi ne peut pas être extra-légal, il doit être infra-légal. Donc, je pense que monsieur Peter Kazadi travaille sur base des lois de la République que nous appelons les boussoles. Pourquoi il n'envoie pas les noms? S'il n'envoie pas, il semblerait que il y a quelque chose qui cloche. S'il n'envoie pas. Mais moi, je vous dis, allez au ministère de l'Intérieur. Moi, je ne suis pas spécialiste de pouvoir régulariser les partis politiques. Mais c'est que je sais que, excusez-moi pour la tautologie, par ma connaissance, et que lorsque il y a défaillance ou lorsque on n'envoie pas le nom d'un parti politique ou on n'envoie pas votre nom, c'est parce que M. Merveille n'a pas rempli tous les documents étant qu'on demande au candidat. Ils ont mis à la place publique les récépissés, les 10 000 dollars payés, j'ai bien dit 10 000 dollars payés pour pour être éligibles. Ainsi que tous les documents, les récépissés même existent. Il existe dans les textes du pays un délai dépassé. Moi, je vous dis ceci. Nous sommes à l'ère de la technologie. Je suis politique. On peut vous brander des documents qui peuvent être des documents qui peuvent plutôt au pluriel être des documents fausses, mais ayant une essence d'originalité. Donc, il faut faire une critique d'authenticité aux documents qu'on vous présente. Moi, je pense que vous êtes professionnel de médias, vous avez un carnet d'adresses très avancé, très bombé. Si vous voulez avoir une certaine authenticité de ces documents,
vous connaissez le bureau de M. Peter Kazadi, interpeller M. Peter Kazadi, ou soit demander un droit de réponse. Je suis demandé droit de réponse comment? Le droit de réponse est demandé à celui qui se sent lésé par moi, le journaliste. Je pense si un droit de clarification par rapport aux propos des militants de M. Kaboul. Je pense que on vous répondra. Merci beaucoup. Permettez que David Motomungu aborde aussi les mêmes sujets. J'ai comme l'impression qu'il a quelques éléments quant à ce. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité politique par rapport au dépôt des candidatures. Vous êtes vous aussi d'ailleurs candidat ici à Kinshasa. Mais le dossier Kaboun, le dossier Alliance pour le changement de Jean-Marc Kaboun, ça vous fait quand même quelque chose, non? Justement, vous savez, avant d'en arriver, parce que c'est un dossier qui nous concerne tous en tant qu'acteurs politiques, parce que vous avez fait des révélations ici, fort malheureusement, qui ne viennent pas de vous. Une vidéo appartenant à M. Augustin Kabuya. Exact. Que nous avons tous vu avec la technologie aujourd'hui, comme disait M. Djoumaele. Donc, on peut recourir aux informations, ou soit on peut comprendre les choses à partir de ce qu'on va voir à travers nos téléphones, à travers nos smartphones. Exactement. Mais il est très clair ici, démontré qu'apparemment, nous avons comme l'impression, M. Maître Peter Kazadi voudrait rendre des comptes, fort malheureusement, à Jean-Marc Kaboun. Une chose qui n'est pas bonne. Il a parlé ici d'un état des droits, il a parlé de la démocratie. Vous savez, M. Merveille, je peux avoir des conflits personnels avec M. Djoumaele, mais si demain, il arrivait que je puisse être, par exemple, nommé ministre de l'Intérieur et que Djoumaele avait son parti politique, je ne viendrai pas rendre des comptes à Djoumaele. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vient pas au sommet de l'État pour pouvoir rendre des comptes ou commencer à se servir des portefeuilles de l'État pour nos conflits personnels, ce qui n'est pas bon. Je pense qu'avant l'avènement de Maître Peter Kazadi au sein du ministère de l'Intérieur, il y avait M. Asselo. Exactement. Qui était là, et je crois que le parti de Kaboun était agréé et autorisé à fonctionner. Exactement. Mais sauf qu'avec des projets, il y avait même un projet d'arrêter. Oui, sauf qu'à la différence, cette fois-ci, Maître Peter Kazadi devrait envoyer au niveau de la CENI les nombres des partis politiques qui sont autorisés à fonctionner au sein de la République démocratique du Congo. Mais à la surprise générale, nous avons constaté qu'il ne figurait pas les noms du parti Alliance pour des changements. Oui. Et alors que M. Djoumaele disait ici d'un droit de réponse, c'est à Maître Peter Kazadi de répondre. Mais nous constatons un silence complice. Nous constatons aussi un silence complice de la part des acteurs politiques que nous sommes. Je ne suis pas d'Alliance pour les changements. Mais on ne donne pas un coup de pouce. Je suis un défenseur des droits, oui. Quelque part. Donc, c'est-à-dire, lorsque je constate que le droit de M. Jean-Marc Kaboun est lésé, parce que quelqu'un, il a une autorité, il est devenu autorité de l'État, il est venu rendre des comptes, je crois que nous avons tous les devoirs et la responsabilité de pouvoir fustiger cela. Donc, nous en appelons à Maître Peter Kazadi, en tout cas, de revoir... De revenir à la raison. De revenir à la raison, parce que ça ne lui servirait à rien. Je ne vois aucun intérêt à pouvoir mettre en mal Jean-Marc Kaboun, parce que avant et après tout, vous savez, M. Djoumaele, nous sommes opposés au niveau des idées, mais ça n'exclut pas que nous soyons des amis. Voyez-vous, la guerre politique, c'est au niveau des idées, ce n'est pas au niveau des conflits personnels. Donc, pour conclure sur ces sujets-là, comme Maître Peter Kazadi aujourd'hui, parce que ça ne ferait pas bien, par exemple, Maître Peter Kazadi n'est pas ministre de l'Intérieur éternellement. Il finira par partir, il aura un autre ministre qui arrivera. Et s'il arriverait qu'un autre ministre venait, il agréait encore les partis. Ou si lui-même Kaboun ou son parti politique prenait ce même ministère de l'Intérieur et que demain, Maître Peter Kazadi créait un parti politique et qu'on lui rendait des comptes. Donc ça veut dire que si c'était encore le cas, je reviendrai encore sur votre plateau, M. Merveille, fustiger les comportements de Jean-Marc Kaboun. S'il arrivait, il arriverait encore à agir ou encore à réagir comme l'a fait Maître Peter Kazadi. Merci. Parce que vous savez, en politique, on dit toujours les alliances se font et se défendent au gré des vagues. Aujourd'hui, Alliance pour les changements est à l'opposition. Demain, par un accident de l'histoire, ils peuvent encore revenir avec l'UDPS. Maintenant, j'en viens au sujet du processus électoral. Vous savez, aujourd'hui, mon cher ami Djoumaele, il a parlé de trois éléments concernant la CENI. Je vais premièrement parler du fichier électoral. Vous êtes d'accord avec moi que ces fichiers-là posent problème? Les fichiers électoraux, comme on dit, comme il est de coutume, c'est un fichier où, après avoir été enregistré, il est toujours audité. Voyez-vous, exemple, moi, qui me suis fait enrôler
à Kintambo. Je ne sais même pas si je figure réellement dans ces fichiers-là. Parce que naturellement, après enrôlement, on affiche toujours dans des bureaux, n'est-ce pas, d'enrôlement des gens qui se sont fait enrôler. Mais nous avons constaté que cela n'était pas fait. Donc, nous en appelons à M. Denis Kadima, parce que nous, ici, nous sommes compétiteurs. Nous voudrions bien connaître d'abord quels sont ces fichiers-là, les fichiers électoraux, combien contient plutôt combien des électeurs, des potentiels électeurs dedans. Pourquoi? Parce que vous savez, comme on est en train de dire, nous sommes dans un régime démocratique, le seul moyen d'accession au pouvoir reste les élections. Oui. Mais vous constaterez avec moi, depuis des cycles électoraux, nous tombons toujours dans la crise de légitimité. Pourquoi nous tombons dans la crise de légitimité? C'est parce que ceux qui n'ont pas été, qui estiment qu'ils ne sont pas élus, ils sont en train toujours de contester ceux qui sont au pouvoir. Alors, pour éviter cette contestation-là, il faut nous amener dans des élections crédibles, dans des élections libres, dans des élections transparentes. Et merci beaucoup. Alors, Monsieur Fidèle, vous ne serez pas candidat, j'espère. Non, non. Vous n'êtes pas candidat, mais vous soutenez quand même quelqu'un. Je soutiens un leader. Un leader qui est candidat, plus précisément où? Dans les territoires d'Idjui. Dans les territoires d'Idjui. Nous en avons d'ailleurs parlé. Il s'agit de qui exactement? Oui, merci Merveille pour la question. J'aimerais juste placer un mot par rapport au dossier de Jean-Marc. Du parti Alliance pour les changements. De Jean-Marc Kaboum. Oui. Moi, je dirais seulement que ma réaction consiste seulement à me poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut tirer sur un corbillard? Le corbillard passe, vous tirez dessus. Jean-Marc Kaboum, il est en prison. Nous avons vu comment il est en prison. Oui. En quoi est-ce qu'il gêne son parti politique? Si on les laissait figurer dans les nombres des partis qui sont censés présenter... Ça changerait quoi? Ça va changer quoi? Moi, je pense que c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est tirer sur un corbillard. Oui. Je pense que... Ça démontre la haine. La haine. Le VPM de l'intérieur, je ne sais pas préciser s'il l'a fait intentionnellement, mais les signaux démontrent qu'il est en complicité avec la vidéo de Kaboum. Ça montre noir sur blanc qu'il s'agirait d'un problème. Il s'agirait d'un règlement des comptes. Oui. Et donc, M. Jean-Marc Kaboum, nous n'avons qu'à vous présenter nos compassions parce que vous êtes en train de vivre l'invivable. Oui, c'est et je normal. Pense que Kaboum aussi doit en tirer les leçons parce qu'il subit les conséquences de sa propre turpitude. Il a soutenu. Si le pouvoir actuel est là, c'est grâce Jean-Marc Kaboum est l'un des acteurs. Pas même l'un, il est l'acteur. Il a joué le rôle principal. Un rôle prépondérant. Et on lui rembourse sa monnaie de singe. Quand moi je pense à ces choses ici, ça m'amène à dire que non. Je ne peux pas faire la politique. Oui. Quand je vois comment Jean-Marc a mouillé les maillots oui. jusqu'à amener le chef de l'État au pouvoir. Oui. Bien sûr avec d'autres... Mais c'était lui la tête pensante. C'était lui. L'Union Sacrée. C'était lui. Regardez, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Union Sacrée. Là où il est, qu'il soit calme, ça va passer. Oui. Même si on faisait 10 ans, 18 il ans, finira par sortir. Le pouvoir va passer. Oui. Et un jour, il sortira de la prison. En rapport avec les dépôts de candidature, M. Merveille, je voulais vraiment, parce que les amis ont pris plus de temps, je voulais que vous soyez un peu impartial. Soyez calme. Je vais parler d'un homme de mon territoire qui s'appelle Docteur Honorable Miruho, à qui il prospère. Oui. C'est un homme qui n'est pas connu, parce qu'il est moins visible. Même il n'aime pas la télé. Moi non plus, je ne l'aime pas. Même à l'Assemblée nationale, il parle moins. Il ne parle même presque pas. Mais c'est un homme qui fait des actions concrètes sur terrain. En 2018, moi je l'ai accompagné, en 2018, d'ici à Idjui, pour postuler. Mon frère, à cette période-là, il n'y avait pas encore la gratuité. Il a payé les frais scolaires de tous les enfants du territoire. Il a sorti l'argent de sa poche. L'argent de sa poche, comme ça, en campagne électorale. Pour tous les enfants du territoire. Il a payé seulement pendant la campagne électorale. Je vous dis, il avait payé pour tous les enfants, avant l'avènement de la gratuité. Ok. Les frais scolaires
de tous les enfants, et du nord comme et du sud. Il ne s'était pas limité là. Il avait payé aussi les frais de participation aux examens d'État. Et du nord comme et du nord comme et du sud. Oui. Pour tous les enfants. Et chose surprenante, et ce qui m'a touché encore gravement, c'est de voir que l'examen d'État passait ici. Il a encore payé. Il venait de payer à plus de 3621 élèves finalistes les frais de participation aux examens d'État avec les coûts de 153 892 dollars. Est-ce que la réalisation n'a pas son visage, par exemple, là? Parce je ne sais pas si vous avez trouvé son image. Vous avez dit que c'est un illustre inconnu. Voilà. Oui. Il est là, honorable Miruo Akili Prosper. Oui. Il est docteur en sciences politiques. Donc c'est un professeur d'université. Il est professeur. Oui. C'est merci beaucoup la réalisation. Vous voyez là, c'est un homme très altruiste, oui, proche du peuple. Au-delà des frais qu'il venait de payer aux finalistes des examens d'État, il a subventionné des écoles. Parce qu'au village, vous voyez, beaucoup d'écoles n'ont pas d'école. Là où l'État À plus de 50 écoles. Et l'école qui a eu moins d'école, c'est 50 écoles. Qui a eu moins. Il a déjà construit à ses fonds propres, oui, des grands marchés. Peut-être prochainement, je vais vous amener des images. Il est aujourd'hui au 10e marché. 10e marché. Ah, vous voyez, dans les villages, oui, il y a des marchés qui regroupent différentes localités ou différents groupements. C'est des marchés modernes, je vous dis, pas des marchés en bois, en briques cuites, avec des toilettes modernes, de l'eau dans les marchés. Mais c'est un homme un peu taciturne qui n'aime pas qu'on parle de lui. Et moi, je pense que le moment est venu où nous devons vendre l'image de ce grand homme qui est en train de faire la fierté du territoire. Vendre son image parce que nous sommes à quelques mois des élections ou bien vendre son image parce que... À perpétuité, parce que les actions qu'il mène sur terrain... Là, je n'ai pas encore parlé des ponts. Les ponts qui relient de village en village, hein? Les ponts qui relient de groupement en groupement... Beaucoup de ponts. Mais je pose une question au niveau de l'Assemblée nationale. Il a en fait contribué en quoi concrètement aussi? Au niveau de l'Assemblée nationale. En dehors des au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Vous voyez, l'île d'Idjou n'est pas électrifiée. Exactement. N'a pas du courant électrique. Oui. Il était en train de proposer et c'est déjà passé. Oui. Et il y a déjà un lot important des matériaux qui est déjà cantonné ou acheminé au niveau du territoire. Exactement. Pour l'électrification de l'île d'Idjou. À partir de Birava, okay. Birava, ça va passer vers Ruhundu et on va électrifier le territoire. Non seulement ça, il a financé à partir de 2018 une mini centrale hydroélectrique. Oui. Au niveau de... Ça s'appelle comment ? Au niveau d'un village là, vers... les noms vont revenir. J'oublie. Mais il a financé les travaux pour construire une mini centrale hydroélectrique. Bref, cet homme ici, l'honorable Miruo Akili Prosper, mérite l'accompagnement de tout le peuple. On l'appelle le sauveur. Mais on sait qu'au sud, à Idjou, là-bas, l'actuel gouverneur, également Théo... Théo Ngwabidje. Également... Oui, nous avons appris qu'il serait aussi candidat. Lui aussi, là, mais là-bas. Comme en 2018, aucun candidat. Lui, le candidat de l'UDPS. Qui peut il a... s'avoisiner du score. Lui, il est de l'UDPS. De il ce a... monsieur, il a... de l'honorable Akili, qui est d'ailleurs, il est aussi de l'Union Sacrée, parce qu'il est de l'AFDC. Ah, il est de l'AFDC de Bati, le professeur Bati Lukwebo. Donc, moi, je voulais appeler tous les peuples, okay, les insulaires, dis-je, oui, continuaient à compter sur leur fils. Un fils du territoire, un fils du pays, mais qui fait des actions qui dépassent tout le monde. Vous savez, à un moment donné, les territoires de Calais, les habitants de Calais étaient en train de dire, ils ont lancé un défi à la population d'Idjou, oui, que si vous ne voulez pas de cet homme-là, nous. Faites-le, dites à cet homme de venir ici. Avec ce qui, nous allons voter pour. Avec ce qui est arrivé à Calais, tout récemment, là, avec ce qu'on a vu comme catastrophe. Il a intervenu, il est allé même sur terrain à Calais.
C'est un homme qui a une sympathie. Je dirais, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Un homme qui est très sensible. Moi, je n'ai donné que juste quelques lignes. Mais si j'ai voulu tout ce qu'il a déjà. Nous allons organiser une émission spécialisée pour en parler. Parce que en train de faire. Maël va vouloir lui aussi. Je vous assure, Tazou, la candidature de l'honorable Akili, Kourou au Prosper, oui. Je pense que c'est une des candidatures qui vaut ou qui valent la peine. Moi, je vais descendre. Parce que ce monsieur est en train d'éprouver à la face du monde ce dont il est capable. Je vais descendre. Plus de 3600 finalistes. Il paie plus de 100 000, oui, quelque chose de là. Nous allons organiser une émission spéciale pour en parler. Il y a une émission dans ce sens-là. Pour finir, monsieur Merveille, oui. Je voulais lancer un message auprès de l'honorable. Là, vous regardez la caméra. Je voulais lancer un message à l'honorable pour lui dire. Comme nous l'avons fait en 2018, nous sommes encore prêts à l'accompagner oui. jusqu'à sa réélection. Et avec une majorité écrasante. Parce qu'en 2018, là, aucun candidat qui osait s'avoisiner de ses voix. Reste à savoir si donc, le gouverneur d'ici. Chapeau bas, nous vous soutenons, nous vous soutiendrons et courage pour les actions. Le centre de santé qu'il a construit à ses fonds propres. Si on vous laisse le centre de santé. Si on vous laisse parler, il y a tellement beaucoup. Merci beaucoup. Sur lui, vous risquez. Je pense prochainement, nous allons organiser une émission. Uniquement. Il y a une émission du genre présentée par toujours moi, l'invité de Yirengé. Cette émission est en réalité spécialisée pour ce genre d'éléments. Bon, j'ai compris que vous n'aviez pas, vous aviez gardé votre biscuit. Là maintenant, c'est ça votre biscuit de l'émission. Mais nous parlons élection. Nous allons poursuivre avec le deuxième sujet qu'on avait annoncé concernant les enquêtes sur l'assassinat du porte-parole d'Ensemble pour l'ensemble de Moïse Katumbi, Chérubin Okende. On a vu hier la conférence de presse de ce parti politique tenu par le secrétaire général Dieudonné Bolingué Tengué. En tout cas, Ensemble pour la République décrit l'amateurisme la justice congolaise avec des conclusions alors que les enquêtes ne sont pas encore à bout. Alors, je commence par vous, Jojo Maïlé, un petit commentaire sur l'image que donne maintenant cette enquête. On voit maintenant même les journalistes être interpellés. On a vu Peter Tiani, par exemple, être interpellé. On voit même des confrères journalistes accuser injustement les autres journalistes. On nous parle d'un tweet publié à 14h et effacé ou modifié à 16h. Alors que sur Twitter, vous utilisez tous Twitter. Lorsque vous tweetez, vous n'avez que 60 minutes pour modifier, j'ai bien dit. Et encore, pour modifier, il faut avoir un compte Twitter certifié, donc avec la cloche bleue là. Je ne vois pas comment un tweet publié à 14h peut être modifié à 16h. Un petit commentaire par rapport à ce dossier. Alors, M. Merveille, il y a de la mer à boire sur ces dossiers. Oui. Mais laissez-moi émettre, parce que lorsque Kouloutou parlait, j'ai à noter quelques points. Alors, il faudrait aussi faire... Les biscuits des questions. Non, non, ce n'est pas un biscuit. Vous savez, j'ai toujours dit, nous éduquons les masses. Nous sommes les leaders d'opinion. Tout à l'heure, là, vous avez cité, partout vous êtes suivis. Alors, il faudrait inculquer des bonnes choses. Je n'en disconviens pas qu'on fasse des éloges de tout ce que ces députés-là ont fait. Mais il faudrait avoir un modèle et un paradigme qui est beau et qui est bien à suivre. Un député national, il est de l'Union sacrée, mais ici, il faudrait vulgariser des bonnes choses. Lorsque vous lisez l'article 100 de la Constitution, on vous donne les missions d'un député ou d'un parlementaire. Il va légiférer, il contrôle l'action du gouvernement et puis il contrôle l'action des entreprises publiques et les établissements. La deuxième des choses, l'article 36 alinéa 2 dit ceci, que tout Congolais doit contribuer par son travail à la prospérité et à la construction de notre État. Oui. Donc, par son travail, étant que député, il doit contribuer. Ce n'est pas. C'est ce qu'il fait. Non, non, s'il vous plaît. La première des choses, il faut avoir un paradigme par rapport à ses fonctions étatiques, les députés. Alors,
il faudrait, lorsque vous lui avez posé une question, avant qu'il ne soit même député, lorsque vous lui avez posé une question, il a titubé pour répondre à ça. Non, mais comment mais il n'a pas titubé. S'il vous plaît, je m'appelle bien de cette question-là. Vous lui avez demandé, qu'il a fait étant que député, dans oui. sa casquette. Mais il a dit. Non, il l'électricité. S'il vous plaît, monsieur Merveille, rentrons dans les basiques. Quand on dit légiférer, il faudrait qu'il nous amène des propositions de loi, à caractère, je crois, de l'électrification ou à caractère social. Mais il a dit ici, il a non, proposé non, les 500 députés. S'il vous plaît. Tous les 500 députés, je suis technicien en la matière, tous les 500 députés doivent légiférer. Je n'aimerais pas qu'on soit focalisé sur ce sujet-là. Je quitte encore là. Une erreur encore. Lorsqu'il dit que il doit, je ne sais pas si lui ou la base, ils vont donner la majorité absolue à ces députés. Mais lisez la loi électorale. La loi électorale n'est pas plus sur base de la majorité. Nous avons aujourd'hui la question du seuil. Donc ça signifie que votre député là peut avoir 12 000, 500 000 voix. Mais si son parti ou son mouvement politique n'atteint pas les seuils, c'est nul tout ce que vous faites là. Donc il faudrait véhiculer. Il est dans l'AFDC. Exactement. L'AFDC, c'est un parti qui est. Je lui ai seulement demandé. De mon territoire. Là, chez nous, il n'y a qu'un seul parti. L'AFDC, c'est l'Union sacrée. Il fait partie des alliances avec les présidents de la République dont nous défendons. Mais ici, nous sommes en train de donner un petit toilettage sur les vocables que vous avez utilisés. Parce que nous sommes en train d'enseigner. Alors, je reviens sur la question, sur la question de M. Okende. Entrons dans la participation criminelle. Lorsque nous sommes en train de lire le code pénal, article 22, 23 et 21, on va vous définir la participation criminelle, notre code pénal. On vous dira qu'il y a des acteurs qui entrent dans cette participation criminelle. On définit c'est quoi un auteur, on définit c'est quoi un co-auteur et on définit c'est quoi un complice. Alors, un commanditeur. Je parle du complice, je parle de ce qui est dans le code pénal. Oui. Alors, on vous dit un co-auteur, c'est celui qui participe directement pour commettre l'infraction. Oui. Un complice, c'est celui qui participe indirectement pour commettre l'infraction. Ici, nous sommes dans les modes conditionnels, dans les modes des hypothèses, parce que c'est ça la justice. Alors, tout ce qui est comme séquence et séquelles de preuves doit conduire à une piste pour trouver la vraie raison. Alors, je commence par M. Peter Tchanissian, un aîné que je respecte beaucoup, je l'ai toujours dit dans votre plateau ici. Mais lorsque M. Peter Tchani a des séquelles de preuves qui doit conduire à établir la vérité. Qu'est-ce que la justice congolaise doit faire? Parce que c'est Peter Tchani. Je vous dis une chose. C'est quel des preuves si vous, vous faites allusion vous plaît, ici. Je vous dis une chose. Un journaliste est dans l'exercice son métier. Il tweetait. Vous voulez. Il fallait me convoquer tous. Parce qu'il n'était pas le seul journaliste à tweeter. Lorsque on interpelle M. Peter Tchani ou Mme Odia. On n'a jamais interpellé Mme Odia. S'il vous plaît. On a interpellé Peter. S'il vous plaît. Alors que dans la communication de l'Union sacrée, vous avez cité Peter Tchani, vous avez cité Élisée Odia, vous avez cité Steve Wemby. Vous interpellez Peter, pourquoi? Ici, nous sommes dans les modes des compétences ici. Nous partons dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique qui n'engage pas l'État. Alors, ici, c'est la compétence judiciaire qui est une institution qui engage l'État. Mais on constate aujourd'hui que tout part des communications de l'Union sacrée. Mais quand l'Union sacrée dit quelque chose, quelque temps après, la justice s'en saisit. Quand l'Union sacrée donne des rumeurs, quelque temps après, la justice s'en saisit. Par là, vous voulez dire que c'est l'Union sacrée qui commandite les institutions. J'ai simplement. C'est votre interprétation. Moi, j'ai simplement donné les faits. Il faudrait entrer dans l'esprit de votre discours pour comprendre ça. C'est ce que vous voulez dire. Alors, la justice congolaise, lorsqu'elle doit interpeller une personne en cas de renseignement, parce qu'on appelle M. Peter Tchani pour prendre les renseignements. En cas de renseignement, on n'interpelle pas le journaliste Peter Tchani. On interpelle les citoyens Tchani.
On dit DG, le journaliste est DG des perfects. Mais lorsqu'on l'appelle, il vient se présenter à la justice. Mais il est d'abord citoyen. Pourquoi ne l'a toutes ces casquettes ne l'avoir pas invité comme citoyen? Mais on dit DG de. Est-ce que vous avez vu? J'ai vu. DG de perfects télé. J'ai vu. Il n'a pas été convoqué comme simple citoyen, comme journaliste. Lorsque il a posé un acte dans l'exercice de son métier. Lorsqu'il sera devant les personnes qui doivent l'entendre, merci beaucoup pour le vocabulaire, on va l'entendre comme citoyen congolais. Mais il faut le convoquer comme citoyen congolais aussi. On l'a convoqué. Pourquoi on a mis DG? Parce que c'est ce qu'elle est là. Des preuves, on l'a trouvé chez la personne du journaliste. C'est la personne qui... Peter Tiani n'a pas fait son tweet, écoutez, sur le média Perfect Télévision. En tout cas, j'en suis le directeur des programmes. Je ne me souviens pas avoir programmé un tel contenu ici sur Perfect Télévision. Et puis le compte est personnalisé. Le compte Twitter est personnalisé. On invite Peter Tiani comme DG des Perfect Télévision. Peter Tiani n'est pas les suspects majeurs de cette affaire. J'étais en train d'élucider le pourquoi. Non, il n'est pas. Oui, bien sûr. Parce que nous parlons de l'affaire Chéribon Kende. Oui. Alors, j'ai élucidé par mon argumentaire le pourquoi. Je vais avancer sur ce que disent les gens de l'ensemble. Vous allez comprendre déjà, après quelques heures de cet assassinat... Je ne parle pas de l'ensemble, tu m'entends? Non, je dis l'ensemble, ceux qui sont à l'extérieur. Je ne parle pas de lui, je parle de l'opinion. Non, l'opinion. Ceux qui nous suivent peuvent penser que... Je parle de l'opinion qui nous suit. C'est qu'on a eu un défaut. Le premier défaut, on a donné à cette mort une certaine connotation. La connotation, c'est que ceux qui sont de l'autre côté... Et disent que le pouvoir en place, on sait quelque chose. La deuxième connotation, c'est ce que vous venez de dire. On donne une connotation à l'instance judiciaire pour dire que c'est une instance qui exprime de l'amateurisme. Bon, si nous sommes en train de réunir tous ces éléments, je comprendrais que même ceux qui sont dans le domaine judiciaire comprendraient que les séquelles infractionnelles ou des culpabilités se trouve de l'autre côté. De l'autre côté de ceux qui sont en train de condamner. Mais se trouve de l'autre côté. C'est normal. Non. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le gouvernement en place, par le biais de M. Patrick Muyaya, voyez sa lucidité. Nous avons condamné. On a dit que le gouvernement a dit qu'il va mettre en place une commission interdisciplinaire et pluridisciplinaire pour enfin que nous trouvons gain de cause à cette affaire. Mais regardez la façon dont ces gens-là sont en train de s'exprimer à propos des instances judiciaires, à propos des instances étatiques. N'avez-vous pas constaté la contradiction, par exemple, du procureur général près la Cour constitutionnelle? Le procureur général près la Cour constitutionnelle s'est permis, tout récemment, il a fait une conférence de presse, s'est permis de dire que monsieur Chéribin Okiende a été assassiné par balle. Est-ce que nous avons déjà les résultats des enquêtes de l'autopsie pour conclure qu'il a été assassiné par balle? Il peut être assassiné par exemple par étranglement, cagoulé, et puis on vient en tire, on achève après. Comment le procureur sait qu'il est assassiné par balle? Il le dit. Boujakera pose la question. Mais, monsieur le procureur, vous affirmez quelque chose. Êtes-vous sûr? Vous avez déjà les résultats? Lui, il change encore. J'ai mis au conditionnel. Est-ce que le procureur est appelé à mettre au conditionnel et surtout en public? N'est-ce pas qu'on sent, en fait, beaucoup... Ça capote. C'est ça que vous allez dire. Non, c'est mais ça écoutez, que vous dit. N'est-ce pas qu'on sent beaucoup de versions? On avait annoncé très rapidement l'arrivée des experts. En tout cas, des enquêteurs belges et sud-africains. Depuis qu'on a annoncé jusqu'à aujourd'hui, les enquêteurs n'arrivent pas. Mais on constate plutôt que c'est la justice congolaise qui prend le devant. Ça ne vous dit mais absolument monsieur, rien monsieur du monsieur tout. Merveille, je vais les ministres des communications et médias interdits
Monsieur à la population, aux politiciens, de faire le parallélisme entre cet assassinat et l'assassinat de Chebeya. Oui. Est-ce qu'il en a le droit, lui, d'interdire? Monsieur Merveille, je veux un peu poser quelque chose. C'est là que les gens se permettent de dire. Je veux un peu poser. C'est parce que nous sommes un gouvernement responsable, on ne veut pas avoir de bavure. Il faudrait vous dire une chose. L'État, dans une dimension fonctionnelle, c'est comme les pères de tout le monde. Donc, c'est lui qui doit orienter certaines choses quand il y a des bavures. Alors, ici, nous parlons des instances ou de l'instance juridictionnelle de la justice. L'État congolais est un État indépendant. Ça signifie les instances qui doivent œuvrer doivent être des instances purement congolaises. La justice, c'est la justice congolaise. C'est à elle de faire son travail. Si aujourd'hui on avait fait référence aux enquêteurs venant de l'extérieur, ce n'est pas pour autant dire que c'était qui devriez dire le droit. Non, c'est pour faire recours à une certaine expertise, c'est pour faire recours à une certaine intelligence. Parce que le Congo, il faudrait se dire aujourd'hui, en matière d'enquête, nous sommes un peu en retard, vu la technologie, vu l'intelligence. La parole doit circuler. C'est pourquoi vous avez assez parlé, mais il faut savoir que c'est simplement d'abord parce que ces populations-là ne font pas confiance. Cette population-là ne fait pas confiance en cette justice. Non, la population ne s'est pas exprimée. La justice, c'est de l'autre côté là-bas pour s'exprimer. Le gouvernement, c'est de l'autre côté. C'est parce que le gouvernement congolais, la justice congolaise est pointée du doigt dans cette affaire par l'opposition. Voilà pourquoi la neutralité veut que l'on invite des enquêteurs internationaux naîtres. Ce n'est pas du nouveau, même dans d'autres pays, même dans les pays développés. Mais ça se fait. C'est faire recours à une certaine intelligence. Alors, David, aujourd'hui, on a comme l'impression que dans ce dossier, on veut imposer, le gouvernement congolais, la justice congolaise veut imposer un rythme à l'opposition congolaise. On veut imposer les mots, les mots à utiliser. On veut imposer à l'opposition les mots à utiliser. Alors qu'il y a quelqu'un qui est mort, un haut cadre, un ancien ministre, un député national. C'est comme vous, demain vous devenez député. Rien ne rassure que vous serez en sécurité. On peut vous abattre partout. Nous savons aussi que c'est la mission de l'État de protéger la population. Même si c'est le camp de Chérubin Okende qui a assassiné ou qui aurait assassiné Chérubin Okende. Mais le gouvernement aura toujours échoué, l'État congolais aura toujours échoué parce que c'est dans la mission de l'État congolais de sécuriser les personnes et leurs biens. Un commentaire et après nous allons prendre M. Fidel. Merci cher Merveille, espérons que j'aurai le même temps de parole. Allez-y. Parce qu'on avait comme l'impression d'assister un face-à-face entre Merveille allez-y. Jumaïl. Non, allez-y. C'était pour rire. Allez-y. Vous savez, M. Merveille, je vais commencer d'abord par réitérer encore mes condoléances à la famille de Chérubin Okende. C'était un grand frère pour certains, un père pour nous autres. Vous savez, des personnalités comme Chérubin Okende, j'étais en train de le dire, dans la classe politique, c'est comme une espèce en voie de disparition. Alors, les perdre dans ces conditions-là ne peut que nous interpeller. J'en viens, je vais beaucoup revenir et rebondir sur ce que vient de dire Jomaele. Premièrement, je commence, pour être direct, sur l'affaire Peter Tiani. Vous savez, nous sommes dans une démocratie. On a toujours dit que la presse est le chien de garde de la démocratie. Exact. Lorsque dans une démocratie, une presse n'est pas libre, lorsque dans une démocratie, une presse n'est pas indépendante, cette démocratie-là est appelée à disparaître. Peter Tiani, c'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est quelqu'un que je vois étant un homme des médias, que je connais à travers les médias, personnellement, comme ça, on ne s'est pas connu. Mais sur cette affaire des tweets, d'abord, premièrement, ce qu'il faut dire, comme vous l'avez dit, nous sommes dans un monde où il existe des fuseaux horaires. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour que la population comprenne, ici, M. Merveille, il est, je crois, 12 heures. J'ai tweet maintenant à 12h11 à Lubumbashi. C'est lui qui lit les tweets, il les lit à une heure différente. Voyez-vous? Donc, faire le débat sur cette affaire-là de l'heure du tweet de Peter Tiani, c'est un faux débat. Ça, c'est les un. Les deux, ce qu'il faut dire encore sur la presse, ça ne concerne pas seulement Peter Tiani aujourd'hui. Demain, ça pourrait concerner Merveille Baeleng. Demain, même des journalistes qu'on appelle pro-pouvoir.
Le journaliste a droit à l'accès à l'information. Et vous êtes journaliste et vous connaissez mieux que moi, en tout cas, les outils de votre métier. La force d'un journaliste, ce sont des sources d'information. Exactement. Lorsque le journaliste a une source d'information... Et qu'il la source lui autorise. Oui, oui. Et qu'il arrivait à balancer cette information en premier. En quoi est-ce que la justice viendrait s'infiltrer ou soit s'ingérer même ça dans ce problème-là? Ça s'appelle scoop. Voilà. Donc, nous, ici, ce que nous voudrions dire que... La justice congolaise doit rectifier le tir. Parce que, deuxièmement, nous avons comme l'impression que la justice est en train de fonctionner au thermomètre des réseaux sociaux. Oui. Ce qui n'est pas normal. La justice est appelée à être professionnelle. Troisièmement, nous allons parler de l'enquête sur l'assassinat de Chérubin Okende. J'étais en train de suivre le procureur. Comme vous l'avez dit, fort malheureusement, nous avons constaté que le procureur a excellé en contradiction. Ce qui n'est pas normal. De un, il disait, il a affirmé que Chérubin Okende était assassiné. Mais des médecins légistes, jusqu'à présent, ne nous ont pas encore dit les conditions dans lesquelles Chérubin était assassiné. Oui. Comme vous l'avez dit, ça pourrait se faire. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé un corps avec une balle dedans, ça voudrait dire qu'il a été tiré par balle, il a été tué par balle. Non, il faut que des résultats, n'est-ce pas, des enquêtes arrivent à nous prouver noir sur blanc que celui-ci est mort par balle et que celui-là, non, il était mort par étranglement et puis après on a tiré. Vous savez, comme on est en train de parler des enquêteurs, j'aimerais dire à mon frère Joe Maël, on a nullement dit ici que la communauté internationale vient rendre justice à l'affaire Chérubin Okende. Non, on est en train de parler des enquêtes. Oui. Il faut que des enquêteurs viennent pour apporter la lumière sur ces dossiers. Parce qu'on était en train de parler avec des compatriotes toujours qui nous disaient, on a comme l'impression de laisser aux enquêteurs congolais mener les enquêtes de l'assassinat de Chérubin Okende. C'est comme donner au voyou la big boy, si c'est Kaba, mener les enquêtes des kidnappeurs. Donc, vous voyez, il y aura conflit d'intérêts. Kaba, mener les big boy. Vous leur donnez faire les enquêtes des kidnappeurs. Donc, on ne va pas juger parti. Voilà, ils sont jugés partis. Il y aura conflit d'intérêts. Raison pour laquelle il faut faire comme on a dit. J'avais aimé cette fois-là les gouvernements en disant que le gouvernement restait ouvert. Des enquêteurs internationaux peuvent venir pour apporter la lumière dans ces dossiers. Pourquoi ? Ceux qui sont cultivés, ils savent. Par exemple, vous savez, il y a la princesse Diana. Ils savent. Elle était assassinée à Paris. Oui. Ça n'avait pas empêché, comme aux enquêteurs, exemple américains, de venir enquêter là-dessus. Exactement. Comme il était assassiné à Paris, est-ce qu'il fallait seulement des enquêteurs français ? Non. Non. Donc, ça veut dire, troisièmement, ce que je voudrais dire, faisons très attention. Très attention. Nous sommes acteurs politiques. Ne politisons pas la mort de Chérubin Okende. Comme vous l'avez dit, j'ai aimé, que ce soit des gens d'ensemble, que ce soit des élus d'EPES ou encore des personnes non autrement politiques, on aimerait connaître, savoir ceux qui ont assassiné Chérubin Okende et pourquoi ils l'ont fait. Et la justice doit vraiment se rendre de manière la plus sévère possible. Pourquoi ? Pas pour que prochainement, de tels actes, de tels assassinats, n'est-ce pas, ne se répètent plus jamais parce que aujourd'hui c'est Chérubin Okende, on ne sait pas demain si ça sera qui. Si ça et puis nous interpellons l'État aujourd'hui, on a vu que la police a changé, et en tout cas son commandement. Il y a un nouveau commandant de la police. Kinshasa. Mais je l'ai vu, attention, attendez s'il vous plaît, j'ai vu sa première déclaration, ça m'a inquiété, je ne veux pas le dire ici à la télé, ni mettre cette image là, mais en tout cas sa première déclaration, ça m'a vraiment fort inquiété personnellement. Ouais, donc c'est pourquoi on dit, on aimerait vraiment voir des professionnels à la tête des institutions de l'État ou encore à la tête de la police, parce que si vraiment on avait une police qui faisait son travail, je ne pense pas que M. Chérubin serait mort, parce qu'on avait déjà lancé un appel, comme on est en train de condamner Peter Tian, et nullement voulait tout simplement politiser ce dossier en que ça cesse. La presse avait alerté. Exactement. En disant que Chérubin Okende, 24 heures avant qu'il était enlevé, tout le monde, nous tous, on n'a pas senti des réponses ou des retours au niveau de l'État, parce que aujourd'hui nous responsabilisons ceux du pouvoir, parce que c'est eux qui sont en train de diriger les institutions. Exactement. Demain aussi, ceux qui sont censés, ils ont ces missions. C'est parmi les missions régaliennes de l'État, s'il vous plaît. Mm. Sécuriser les personnes et leurs biens. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes en insécurité, nous n'aurons même pas les moyens de venir sur ces plateaux de télévision. Exactement. Nous venons ici parce que nous espérons, mais nous avons comme l'impression, il y a en tout cas une insécurité grandissante dans l'ensemble de la ville. Si un député national comme ça, un ancien ministre, est assassiné dans ces conditions-là, qu'en est-il de nous autres? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Fidel. Un commentaire bon, ici, c'est Kinshasa. Et nous, là-bas, à l'intérieur, là-bas, à Idju, là-bas, où parfois, pour voir un policier
où il n'y a pas d'électricité, c'est un problème. Il faut parcourir des kilomètres, j'en sais quelque chose. Ce que moi je peux dire pour les regrettés honorables, l'ancien ministre des Transports, d'abord je présente vraiment des sincères condoléances à son épouse, parce que c'est la première personne très touchée. Très, très, très touchée. Ses enfants. Exactement. Je pense à ses parents. Je pense à sa famille politique. Moi, je pense que nous devons d'abord être humains. Quand on parle de la mort de quelqu'un, on doit parler de celle-ci avec beaucoup, beaucoup de retenue, beaucoup de réticence. Parce que moi, je ne comprends pas comment Chérubin, on a trouvé son corps sans vie, c'était jeudi, je crois. Mais déjà samedi, déjà les mêmes jours dans la soirée, vous voyez des gens proches sur les réseaux sociaux qui vocifèrent dans les médias comme s'ils prenaient. Ils ont même inventé un audio qui semblerait être qui serait attribué à un des enfants de Chérubin. Et c'est la famille. Par la suite, on a démenti cela. Exactement. Je pense qu'on doit éviter de. C'est cruel. Faire de la mort de Chérubin un fonds de commerce ou. Comment dire, c'est comme si on était en train de prendre ça à la légère. Pourtant, il y a des familles, il y a des personnes qui sont vraiment meurtries pour la mort de ces grands hommes, de ces grands politiciens. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Avant que Chérubin ne meure, il y a eu une suite d'arrestations arbitraires en cascade. Oui. Il y a eu une suite de quoi? D'enlèvement. Exactement. On a vu Mkebaï, on a vu Salomon, Escadela, on a vu Franck Diongo. Et après on l'enlève d'abord. C'était Chérubin. De regretter Chérubin au Kent. Moi, je pense qu'il est tôt, il est prématuré aujourd'hui de dire que c'est X ou c'est Y. Mais au moins, nous en savons. Quand les procureurs. Se donne les kilos aujourd'hui de commencer déjà à dire il y a les premières prémices des enquêtes seront publiées bientôt. Mais est-ce que les enquêtes indépendantes ont déjà été faites? Pourquoi le président de la République a appelé à l'enquête indépendante? C'est pour faire la lumière. Exactement. Pour qu'on ne puisse pas faussement dire que c'est tel ou bien c'est tel autre. Ces enquêtes indépendantes des experts internationaux vont aider la République à comprendre, à cerner l'histoire, comment on a fait ça. J'ai lu un communiqué du Rwanda qui a aussi parlé dessus, qui dit que leur satellite a visionné tout ce qui s'est passé. Ils ont les images. Oui, vous n'avez pas lu le communiqué de la République rwandaise? Oui, il y a un communiqué. La République rwandaise a dit, par son premier ministre, que si la République démocratique du Congo veut avoir des éléments. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on pense déjà à XY, alors qu'il y a quelqu'un qui a les images de nous ici, qui a dit que lui a les images. Le satellite rwandais, satellite on dit, un satellite ou une satellite. Le satellite. Le satellite rwandais aurait. Vous mettez mieux les métropoles. D'après leur communiqué, aurait capté toutes les images. Est-ce que ce communiqué-là est authentique? Ça, c'est un. De deux, comment les gens aujourd'hui. Parce que Chérubin est mort après qu'il soit convoqué à la Cour constitutionnelle. Mmh. Comment les gens sont en train de faire des supputations là-dessus? Mais Chérubin Okende, on a vu l'invitation. Il était convoqué. On a vu l'accusé de réception où il demande une dérogation pour le jour suivant. Exactement. Un report pour le jour suivant. Et à l'époque, Chébé a aussi été convoqué par la justice. Alors. Pourquoi empêcher? Moi, je pense que les gens peuvent être calmes. Tout ce que nous savons, c'est le sang humain qu'on a coulé. Vous savez, le sang, quand vous avez coulé le sang de quelqu'un, quelles que soient les années qui vont passer, ça finit toujours par. Dieu finit. Même si la justice humaine des hommes peut draper les yeux de l'opinion, mais il y a la justice divine. Au moins, si toute personne qui a vu de ses yeux, au moins Dieu était là. Il a vu. Exactement. Et le sang de Chérubin Okende va crier
Chez nous, on dit le sans-cri. Et vous verrez dans les prochains jours, Dieu va révéler, Dieu va mettre. Vous n'avez jamais vu quelqu'un a tué quelqu'un et lui-même revient. Il vient se dévoiler. Il vient se dévoiler. Moi, je pense que ce soit les pouvoirs, que ce soit l'opposition, que ce soit la justice, personne jusque-là qui a le droit de se victimiser ou de victimiser quiconque. Attendons ces experts qu'ils viennent. C'est prématuré que les procureurs, si c'est de la cour de cassation, commencent à vouloir se prononcer. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi? Qu'il soit calme, qu'il soit apaisé. La lumière sera faite à longueur de journée. Et si la lumière ne sera pas faite par les hommes, Dieu va mettre la lumière. Et nous présentons encore une fois, sincèrement, les condoléances à la famille de ce grand homme politique qui, en ce moment où nous sommes ici sur ce plateau, sont en train de pleurer leur papa, leur fils, leur, d'ailleurs, leur père. D'ailleurs, les femmes de Ensemble pour la République multiplient les marches et pour Chérubin Okende et pour la libération de Salomon Escadela, de Salomon Kalonda, qui est toujours à la prison centrale de Ndolo, Moïse Katumbi, qui était à Kinshasa, avant qu'il ne rentre à Lubumbashi, a fait un tour à la prison de Ndolo. Il est allé rendre... J'ai oublié de placer un mot. Très vite. Je voulais intervenir par rapport à l'invitation de Peter. Oui. Moi, je pense que la justice qui se focalise sur les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'il y a des journalistes, vos confrères journalistes qui auraient tenu des propos dans des médias, voilà. Les gens comme Peter doivent être invités pour... comment on a le terme? Comme renseignant. Comme renseignant. Mais vous êtes en train d'accuser déjà votre confrère injustement. Est-ce que c'est Peter qui avait tué? Moi, je n'ai pas vu ce tweet-là. Je ne l'ai pas encore vu. Peter n'a jamais tweeté à 14h. Une précision, parce que nous tous, nous avons eu à relayer le tweet de Peter. Peter a tweeté aux alentours de 20h. Le premier tweet, hein, 20h et quelques, le premier tweet sur l'enlèvement de... Bon, est-ce que le mot cybercriminalité n'existe plus dans ces pays? Bon, je ne sais pas s'il faut parler des 14 heures. Moi, je pense que si quelqu'un et nous veut tous, nuire... Moi, personnellement, j'ai relayé... Ou si quelqu'un veut... 20h35. Veut maquiller les enquêtes. Dans ces pays, on peut tout faire. On peut tout concocter. Hein? Je pense que l'étude-là qu'on attribue à Peter, je connais quand même Peter, c'est un cerveau, c'est une plume. Hein? Je ne vois pas de Peter à 14h, alors que Chérubin n'est pas encore même... Je vous dis que c'est à partir de, si je ne me trompe pas, de 20h à 22h que l'étude... Peter, soyez calme. Que l'étude d'enlèvement... À votre côté. Alors, non. S'il vous plaît, permettez-moi de passer un mot très rapidement. Pour compléter ce que vous disiez sur les procureurs. Et puis le procureur est en train de dire que on a que l'arme qui a tué le regretté Chérubin, c'est l'arme qu'on a trouvée dans les véhicules. Il a fait la balistique. Ouais, c'est l'arme qu'on a trouvée dans les véhicules. Donc, cela voudrait dire quoi? Or, les détenteurs de cette arme-là, on sait que c'est les gardes du corps des Chérubin Okende. Donc, imaginons un peu de... Nous avons appris que c'est son familier, son garde du corps. Oui, c'est son beau-frère. C'est son familier direct. C'est son beau-frère. Vous êtes mon beau-frère, moi je vais entrer dans... Et puis la question que moi je me pose jusqu'à aujourd'hui, vous venez vous tuer quelqu'un, vous allez vous alerter sa femme. Vous allez vous appeler Peter Tiani et vous revenez là-bas à la Cour constitutionnelle. Non, mais... Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le garde du corps, c'est-à-dire quoi? Moi, j'ai compris que les gardes, le fait d'aller et revenir, il était en fait il était un peu dépassé des événements. J'étais avec mon chef, je les laisse, je pars déposer une correspondance, je rentre, il n'est plus là, je demande, personne qui... Mais je suis merveille. Il y a un audio que moi j'avais suivi. Oui. Et les gens semblent minimiser ça. J'ai suivi un audio d'un monsieur qui serait présent quand on était en train d'enlever Chérubin. Oui. Et ce monsieur-là disait qu'il se connaît personnellement avec Chérubin. Quand Chérubin est arrivé, il l'a vu. Il est allé, il l'a même salué. Oui. Et Chérubin a sorti même quelque chose, il lui a donné. Lui, il est allé vaquer à ses occupations. Il a donné au Chege, les gens qu'on appelle communément Chege ici. Voilà. Et
le monsieur, d'emblée, il voit des gens qui étaient habillés en tenue civile. Mais d'après lui, ces gens seraient venus dans une pick-up. La même pick-up blanche. Là, blanche. Qu'on appelle Kaba. Et lui a suivi même. Quand on a chérubé, on l'a enlevé dans sa propre gîte. Oui. Et lui-même au volant. D'après les déclarations de ces messieurs. Oui. Mais à bord, il y avait déjà ces personnes-là. Mm-hmm. Et devant là, il y avait une pick-up où il y avait maintenant des gardes. C'est ça ce que la personne l'a dit, était en train de raconter. Oui. Qu'il y aurait des gardes républicaines dans cette jeep-là, oui. Blanche pick-up. Et lui a suivi même ces gens. Il a suivi. Est-ce que tu n'as pas suivi cet audio-là? Mais on a. Non, bon, je n'ai pas suivi personnellement. Oui, moi j'avais suivi ça. Moi, il a suivi, mais vous aviez suivi aussi. J'ai suivi. Il a suivi la trajectoire. Il a suivi, oui. Et arrivé quelque part, on a vu un mouvement comme si on changeait. Des véhicules. On a enlevé Chérubin qui conduisait les véhicules à sa place pour mettre quelqu'un d'autre conduire les véhicules. Mm. Et ce mouvement-là a tiqué à ces messieurs-là. Et tout d'un coup, il a dit non, si je continue à poursuivre ces gens, ils peuvent me faire du mal. Mm. Voilà comment il était rentré, sachant que c'est toujours des enlèvements ou des arrestations comme ça s'est fait. Et malheureusement, le lendemain matin. Mais on semble banaliser ça. J'ai suivi qu'on cherche quelqu'un qui aurait vu par Moïse Katumbi et Yahya Kado. Moi, je pense que ce monsieur-là peut se manifester. Qui était là? Moi, je pense. Non, moi, je pense, mais permettez-moi, un élément que je vais placer. Vous savez, la justice a lancé un appel à témoins. Mm. Mais on a remarqué que personne n'a répondu. Mm. Pourquoi? Parce que les gens sont en train d'avoir peur. Pourquoi? La justice doit prouver vraiment par son travail, son indépendance, son impartialité et puis son professionnalisme. C'est ça qui va garantir, n'est-ce pas, à la population. Mmh. Parce qu'il s'avérait qu'il y aurait des témoins qui avaient vu comment... Merci beaucoup. Alors, Jojo Maëlle, terminez l'émission parce que nous avons... Mais moi, je pense que lorsque mes frères parlaient, j'ai senti une sorte de connotation, comme j'ai dit au début. On a déjà donné des couleurs. On a donné des couleurs à cet assassinat. Vous savez, lorsqu'on parle de l'assassinat, en termes du droit, qu'est-ce qu'on appelle un assassinat? C'est un homicide volontaire avec préméditation. Ça signifie que nous sommes en train de naviguer dans le monde des hypothèses. Il y a eu des personnes qui planifiaient déjà d'éliminer M. Chérubin Okende il y a longtemps, parce qu'il a été assassiné. Donc il y a des personnes qui suivaient ses mouvements, regardaient tout ce qu'il faisait, et à un moment, on l'a eu. Et puis, avançons un peu dans l'éthique et déontologie de la sécurité. Avez-vous vu un garde du corps plutôt, partir, laisser son arme là où se trouverait son chef, qui est un civil, qui ne sait pas les manipuler, pour qu'il aille faire une course qui est administrative? Non. Et puis, je pense que ces gardes-corps-là doivent être condamnés. Pourquoi? Quand on dit garde du corps, il semblerait, tu n'es pas là comme un coursier. Non. Tu es là pour protéger ton chef. Pas comme un coursier. Lui, il s'est pris comme un coursier pour aller faire une procédure administrative. Mais voilà. Parce qu'il a failli à sa mission ou à ses missions, celui de protéger son chef. Normalement, dans la sécurité, lorsqu'on doit atteindre un chef, si on n'atteint pas un chef, on atteint qui? On atteint d'abord ses gardes. Il nous est arrivé dans les films d'action ou de science-fiction, voir qu'on va tirer sur une autorité, les gardes étant le protecteur du corps, comme le dit les mots français, il va se placer devant. Donc les gardes a failli. Sa manière de faire les choses a failli. Aujourd'hui, on est en train d'incriminer, on imputerait, je mets au conditionnel, qu'il y aurait eu quelques gardes républicaines que nous appelons les mouras. Je pense que c'est cette victimisation que nous ne voulons pas. Moi, je pense que la justice congolaise, à mon humble avis, je pense que c'est une justice qui est indépendante. Nous sommes dans un domaine très glissant. Nous sommes dans un domaine pénal où il y a crime. Et dans les domaines pénals où il y a crime, il doit y avoir des preuves qui sont rigoureuses pour enfin dégager la culpabilité de la personne ou des personnes qui ont fait. Donc ici, nous ne sommes pas dans le monde des hypothétisés ou des tâtonnés. C'est pourquoi je me ramène encore à toute personne qui doit être dans la participation criminelle, de loin ou de près,
toute personne qui aura une séquence, de, une séquelle de preuves, une séquelle plutôt de preuves, une piste qui mènerait à un chemin par lequel on doit, tout bonnement, qu'est-ce qu'on fait? La justice congolaise, qu'est-ce qu'elle fait tout bonnement? Elle va inviter cette personne pour qu'elle entende, pour que l'argumenter. Donc c'est la moindre des choses qu'on peut faire. La justice congolaise, les autorités congolaises ne veulent pas théoriser une classe politique quelconque, ne veulent pas théoriser une classe professionnelle quelconque, parce qu'il y a certains journalistes qui disent qu'ils sont théorisés. Non, c'est juste que les autorités congolaises sont en train de faire leur travail. Vous savez, nous sommes dans une société où nous avons diverses sortes de personnes. Il y a ceux qui sont intelligentes, il y a ceux qui sont moins, il y a ceux qui sont aussi grabataires. Alors, nos discours ne seront pas compris d'une même manière. C'est pourquoi il arrive que les ministres Muyaya, je vais rattacher mon analyse au propos des ministres Patrick Muyaya, pour dire aux autres qu'il faut, à nous leaders d'opinion qui passons à la télé, évitons de faire les parallélismes entre la mort de Chebeya et celui de... C'est pour éviter d'envenimer les terrains. Envenimer les terrains. Parce que nous sommes, il y a une réalité. Nous sommes chez BA, vous savez. Il y a deux éléments qui rapprochent les deux assassinats. Il y a deux éléments qui rapprochent les deux assassinats. Mais du point de vue juridictionnel, le procès de chez BA a été ouvert, vrai ou faux? Vrai. Du point de vue juridictionnel, il y a quelques noms au procès de Chebeya qui ont été cités. Il y a quelques officiels qui ont engagé la République dans les services de sécurité, entre guillemets, le général John Numbi. Il y a deux ou trois généraux qui ont été cités, qui ont été arrêtés, des capitaines, tout ça. Qu'aujourd'hui, si on peut conclure, parce que nous sommes scientifiques, on peut infirmer. Ou faire quoi? Nous ne concluons pas, mais nous sommes dans les hypothèses. C'est pourquoi je dis, à cette étape, il ne faudrait pas, parce que avec M. Chebeya, la mort de M. Chebeya, nous avons confirmé. Nous sommes dans les hypothèses. J'aimais votre manière de parler. Nous sommes dans les hypothèses. C'est pourquoi il ne faudrait pas faire le parallélisme. Dans les hypothèses, on n'interdit pas les parallélismes. Non, moi j'ai dit, il ne faudrait pas faire le parallélisme parce que les éléments sur la mort de Chebeya ont avancé, mais les éléments sur la mort de M. Okende sont des éléments restreints. C'est pourquoi il ne faudrait pas... Merci beaucoup. Nous avons terminé. Merci d'avoir répondu présent à cette émission Opinion Croisée. Retrouvez la rediffusion de cette émission ce soir à 22h sur Perfect Télévision, la même émission tout à l'heure à 18h30 sur YouTube, Peter Tiani, RDC Télévision, la même émission également sur Newta Télévision. Ça va passer en boucle, en tout cas c'est sur Canal Plus, c'est sur l'ensemble du territoire national, aux États-Unis, en France, en Belgique, au Canada, partout au monde. Nous vous aimons beaucoup. Si vous voulez réagir à cette émission, notre numéro est juste là au bas de l'écran. Le plus 243 977 99 55 72. Allez, je vous retrouve prochainement. Demain, nous aurons l'invité de Iringe avec le premier numéro, le tout premier numéro. Ça sera avec la même personne, mais dans un concept différent. Pour Opinion Croisée, dans un contexte propagandiste. Suivez l'émission demain. Allez, au revoir. Merci beaucoup.